Bonjour mes amis, comment vous allez? Vous allez bien? Moi, ça va. Chaque fois que je vous prépare cette petite vidéo, mes amis, je suis en forme pour moi et pour vous. Alors mes amis, demain, je vais préparer un petit ticket parce que demain, c'est Coravichi à côté 13 partant. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas de journal aussi, je vais préparer cette petite vidéo. Avec mes collections de 7 chevaux plus un cheval en cas de non-partant. Tout à l'heure, je vais vous faire aussi 7 chevaux dans la vidéo de la dernière minute, mes amis. Alors, on commence. Je vais vous donner ça. Après, on va faire un réveil de samedi, mes amis. Allez, on commence. Bon, je commence avec vos numéros 5, mes amis. Parmi pour moi, numéro 5. Deuxième pour moi, c'est numéro 4. Troisième pour moi, c'est numéro 2. Quatrième pour moi, c'est numéro 3. Cinquième pour moi, c'est numéro 13. Sixième pour moi, c'est numéro 7. Septième pour moi, mes amis, c'est numéro 9. Le cheval en cas de non-partant, c'est numéro 8. Celui-là qui va jouer à 28 euros, là, j'ai mon cheval en cas de non-partant. Sinon, je vous fais aujourd'hui, comme il n'y a que 13 partants, je vous fais une collection de 8 chevaux, de 7 chevaux, mes amis. Mon huitième cheval, c'est un cheval en cas de non-partant. Voilà, mes amis, on commence. Le 5, le 4, le 2, le 3, le 13, le 7. Et le 9, mes amis, le cheval en cas de non-partant, c'est numéro 8. Je vais voir si j'ai un ticket à vous faire, mes amis, celui-là qui va faire un multi, un 7 ou un multi, un 5, en espérant qu'il gérera le ticket. Juste une petite minute. Non, je crois que j'ai le pas, mais je vais vouloir chercher un petit ticket. Mes amis, comme ça, on le fera. Voilà. Oh. Voilà, mes amis, je vais préparer un petit ticket. Comme ça, je ferai un petit ticket avec vous. Celui-là qui va prendre à faire les multi en 5 ou les multi en 6 ou les quinti de base. Voilà mes amis, celui-là, je vais vous montrer comment vous allez faire votre ticket. Il est là le ticket de Flexi Valeur, celui-là qui va faire match prêt, ou celui-là qui va faire un 2 sur 4. Il est là, mes amis, le ticket. Par exemple, si on va faire un quinti avec les 3 de base, si on a quoi, un de base et les autres derrière, on touche bonus 3. Si on avait 2 de base et 2 derrière, on peut toucher bonus 4 3 fois ou 4 fois. Si on a les 3 dans la base qui sont dans les 5 premières et 2 autres derrière, on va toucher 3 fois le quinté à 25%. Je vais vous montrer par exemple demain. J'ai pris le 5, oui. Le 5, deuxième, le 4, troisième, le 2. On va faire comme ça, mes amis. Regardez-vous. Celui-là que je vois dans les premières, moi, le 5, le 4 et le 2. On va arriver à la quatrième ligne. Là, on va jeter tous les autres chevaux qu'on voulait, tous les autres numéros qu'on voulait, là, chevaux-là qu'on voulait dans la quatrième ligne. Je vais vous le faire, mes amis, celui-là qui va prendre à faire son ticket. Alors, on avait dit dans la quatrième ligne, je peux leur amener le 3. Le 13, le 7,
et le 9. Alors, les 3 de la base. 1, 2, 3, 4. 3 de base et 4 derrière, ça fait 7 chevaux. Comme ça, le ticket, ça vous coûte. Regardez-vous, mes amis. Vous ramenez celui-là que vous voyez dans la base. Par exemple, là, il y a le 5, le 4 et le 2. Vous arrivez là dans la quatrième ligne. Regardez, il est marqué quatrième ligne. Quatrième ligne, vous leur amenez les 4 chevaux. Moi, par exemple, j'ai fait les 3 dans la ligne là et 4 chevaux là. Ça, c'est on va faire un quinté à 25% ou à 50% avec le champ de réduire. Vous arrivez dans le ticket là, vous cherchez le quinté, vous cochez le quinté. Vous cochez le champ de réduire, vous cochez à 25%, ça vous coûte le ticket 6 euros. Attends, je vais vous les montrer, mes amis. Alors, on va chercher le quinté. Le quinté. Il est là, le quinté, mes amis. Le quinté, il est là. Regarde, j'ai coché sur le quinté. Regarde, le quinté, il y a une petite case là. Le quinté, vous le cochez. Vous arrivez. Là, vous cherchez réunion. Demain, je ne me rappelle plus que la réunion. Je ne sais plus exactement. Par exemple, on va faire réunion une course. Par exemple, on peut faire réunion une course une. Je ne sais pas si réunion une course deux, réunion une course trois. Mais à mon avis, c'est réunion une course une demain. Vous regardez sur le journal la réunion une. Vous faites réunion une course une. Si vous le faites dans le quinté. Vous arrivez là et vous cochez champ de réduire, mes amis. Allez, où champ de réduire. Là, c'est champ total. Non. Champ de réduire, il est là. Elle est marquée sur votre ticket et vous les cochez. Regarde là. Là. Elle est la chambre réduite. J'ai le coché. Si vous voulez, par exemple, à faire 25% de vos appuyés là, vous cochez celle-là, par exemple. J'arrive pas à les marquer là. Là. Si vous voulez faire à 50%, elle est quelque part là. J'arriverai pas à les voir en travers. À 50%, il est juste là, de ceux de champ de réduire. Je vais presser un peu le ticket. Là, si on peut faire un moitié prêt. Là, à 25%. Vous avez le quinté, vous touchez les trois qui sont dans les cinq premières et deux autres derrière, vous touchez le quinté trois fois à 25%. Si vous jouez à 25%, vous touchez le bonus trois, quatre ou cinq fois et vous touchez le bonus quatre entre quatre et trois fois. Et si vous avez qu'un dans la base et vous avez deux autres derrière qui sont dans les trois premières, vous touchez deux fois à 25% de bonus 3. Si vous avez deux là et deux derrière là, vous touchez trois fois bonus 3 et quatre fois bonus 4 à 25%. Si vous jouez en moitié prêt, vous touchez deux fois quinté presque à plein tarif. Parce que deux fois en moitié prêt, ça multiplie deux fois avec les croix. Si vous faites à moitié prêt à 50%, vous touchez le quinté deux fois. En moitié prêt, ça fait comme si vous jouez à plein de tarifs. Et vous touchez 4 fois bonus 3 et vous touchez 5 fois bonus 4. Voilà mes amis. Et si vous avez qu'un bonus 3 là, vous avez qu'un que dans la base qui est rentré dans les premières sur les 3 là. Et deux autres derrière qui est rentré dans les 3 premières. Vous touchez trois fois un moitié prêt bonus 3. Et des fois, ça vaut le coup. Sinon, le ticket, ça vous coûte à 25% 6 euros. Un moitié prêt, ça vous coûte 2 euros. 2 euros un moitié prêt. Et à 25, 6 euros. Celui-là aussi, qui n'a pas beaucoup de moyens, il va jouer quoi à 3 euros à 25%. Et prend celui-là, il ramène ces 3 là dans la base. Il ramène 3 derrière. Il est fait un de moins. Là, on avait quatre dans la base. Derrière, dans la quatrième ligne. Vous le ramenez trois dans la ligne là et trois dans celle-là. Un dans la première ligne, deuxième dans la deuxième ligne, troisième dans la troisième ligne. Vous venez à la quatrième ligne, vous ramenez les trois. Trois chevaux que vous voyez bien. Des fois, il y a des tocards, on ramène les tocards avec les farfurus d'avant. Et si on a comme ça 25%, ça vous coûte que 3 euros le ticket. 3 euros à 25%. À moitié prêt, ça vous coûte 6 euros.
Celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens peut jouer que 3 euros. Il peut faire les 3 là dans la base. Il vient ici et fait les 3 des 3 chevaux autres qu'il voit derrière. Mais il fait la même chose à champ réduire, à champ réunir une course in par exemple. Il fait quinti, couche le quinti. Et voilà, il présente son ticket comme ça à 25%. Il peut toucher tout à 25%. Exactement la même chose. Juste là. Si vous faites, vous avez plusieurs chevaux derrière parce que vous avez quatre derrière. Et si vous faites à moins cher, vous voulez jouer à 3 euros à 25% moins cher. Vous faites que les trois chevaux. Vous avez que les six chevaux. Trois là et trois là. Voilà, mes amis. Et demain, comme il n'y a que 13 partants, vous allez faire un ticket comme ça deux fois. Avec les trois d'avant ou trois derrière. Vous prenez un autre ticket, les trois là que vous avez là derrière. Vous le ramenez d'avant et les trois là, vous le ramenez derrière. Vous jouez deux tickets à 3 euros par ticket, ça vous coûte les deux tickets 6 euros. Vous avez plus la chance de gagner. Et vous le faites aussi en multi, mais en multi, il faut ramener les trois premières que vous voyez dans la base, dans la première base. Et dans la deuxième base, vous ramenez les trois autres que vous voyez ou quatre autres, quatre ou cinq autres que vous voyez. Mais dans le quinté, non, il faut dans le quinté, un dans la première base, deuxième base et troisième base. Voilà, mes amis, vous prenez votre ticket comme ça, vous allez chercher un ticket champ réduire. Et vous regardez, vous faites exactement comme cette tiki. Dans le quinti. Celui-là qui va faire un petit quinti. Exactement comme ça. Je ne sais pas si j'ai un ticket à vous montrer que d'aujourd'hui. Attends, mes amis, je crois que j'ai un petit ticket à vous montrer comment j'ai fait comme ça à 6 euros. J'espère que je l'ai. J'espère que je l'ai mis. Non. Mon Dieu, je crois que. Ah oui, c'est. J'avais fait aujourd'hui un ticket à 3 euros. Comme ça, mes amis. Voilà, si j'ai fait un ticket comme ça aujourd'hui, regardez-vous, c'est le même ticket que je vous ai montré, mais avec 3 derrière et 3 de base. À 25%. Pour comme aujourd'hui, j'avais ramené le 8, le 4, le 12 dans la base. J'ai fait deux croix. Derrière, je l'ai mis le 2, le 6 et le 9. À 3 euros, il n'est pas gagné. Mais voilà, je vais vous montrer juste l'exemple déjà. À 25%, regarde le ticket, ça m'a coûté 3 euros. 3 euros à 25%. Et si on achète un autre cheval, ça coûte 6 euros. On achète deux chevaux, ça coûte 7 euros. Bon, mes amis, je vous souhaite une excellente soirée. Et à tout à l'heure, on va faire l'arrivée des pronostics qui sont passés. Parce que là, je vois le vidéo, il est long. Et à tout à l'heure, je vous souhaite une très bonne chance. Et je vais vous montrer quand même le ticket, mes amis. De quinté de demain. Le 5, le 4, le 2, le 3, le 13, le 7, le 9, le cheval de complément, le 8. Voilà, mes amis. Je vous embrasse. À bientôt. Et une très bonne soirée.